That's so all I'll see. On est au pied bleu. On est au pied bleu. On se regarde, c'est pas grave. On va manger du fromage, et après on va manger du dessert. Ça va, ça coûte. Alors on est live au pied bleu et on se demande qu'est-ce que la rémoulade et un PB qui va peut-être nous renseigner là-dessus. La rémoulade? Oui. C'est une sauce. Ah! C'est une sauce à base de quoi, la PB? C'est une sauce à base de mayonnaise. Hein? De moutarde et échalotes. Ben oui. Avec des carpes et des cornichons hachés. Des petits cornichons hachés. Oui, oui. Des petites herbes là-dedans, quelque chose? Ça prend des herbes. Cornichons hachés. Je pense qu'on a un cornichon haché ici. Oui. Check. Il y a quelqu'un qui veut tester si c'est vraiment un cornichon? Oh. Je peux tester en petite. Sûrement? Goûte la betterave. Définitivement la betterave qui coule pas. Surtout dans l'assiette charcuterie, je vous retrouvez ici le pâté de campagne qui est un pâté à base de jambon, crème et herbes. À sa droite, pâté de breton, sur une pâte de cochon, pâte porcelain et jambon là-dedans aussi. Là, c'est le jambon fessier au citron. Un petit peu de saucisson séché, nature au vin rouge. Saucisse fumée et saucisson bavarois à partir de joues de porc confit. Bon appétit. Merci. C'est délicieux, ça. L'ouverture, ça me remplit. Ça me remplit le palais, les gencives, ça va de l'autre côté dans la joue. Ça se dépose un peu dans le bas de la joue. Et je dirais que ça, c'est une caractéristique des terrains de 2011, 2006, dans ce coin-là. Mais à quoi ça sert, ça? Pibi. Oh, la dorade est adorable. Il manque un peu de fruits, par exemple, pour amener un peu de pétillant dans ce plat. Magnifique. Poursuivons. Il est génial.